Salut à tous, donc une nouvelle vidéo pour présentation de ma collection Steelbook. Et puis je vais finir avec, sur cette vidéo, je vais finir un peu tout ce qui est Disney, Pixar et compagnie là. Et puis après j'attaquerai sur une autre vidéo avec des movies quoi. Donc voilà, donc j'attaque avec Volt, alias Bolt, en version originale, avec Rhino, le hamster de ouf. Moi j'adore ce film, hein. Je le trouve vraiment trop mignon. Bon, après, ça me rappelle aussi mon petit Jack que j'avais malheureusement à l'époque et qui n'est plus parmi nous. Et voilà, c'est malgré le fait que ce soit pas la même race, hein, on est bien d'accord. Hein. Je fais pas, mais bon, il avait à peu près la même bouille tout blanc avec la truffe noire. Donc, et c'est un film super mignon et j'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, on a Les Indestructibles. Ça, c'est une Kimchi, ouais, ça c'est sûr. Kimchi DVD. Donc voilà. En fait, j'adore les Indestructibles. Mais du coup, j'aime pas l'artwork, enfin le steelbook du 2. Donc j'ai pris celui-ci pour le 2. Je crois que j'ai mis le 2 dedans. Je vais vérifier tout de suite. Si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça. J'ai mis le 2 dedans. Et pour le 1, bah, j'ai l'autre steelbook. Alors, je sais pas s'il est là tout de suite. Ouais, il est là. Je vais le pécho. Hop. Et voilà, et dans le 1, j'ai pris ce steelbook là, que je trouve vraiment magnifique quoi. Avec un cadre, je sais plus c'est quelle édition ça, mais il est vraiment classe quoi. Hop. Alors celui-là pareil, hein, j'ai mis le prix parce que franchement il est ultra rare, et surtout dans cet état quoi. Donc le 1 je l'ai mis dedans, et puis j'ai mis le 2 dans celui-là. Donc tant pis, hein, c'est pas écrit 2, mais après moi je m'en fous. Hein. Voilà, je sais ce qu'il y a dedans, et puis voilà, c'est pour l'esthétique. Donc là, pareil, édition Zavi, première édition, le Roi Lion. Donc je suis pas fan de la réédition qu'ils ont fait à la Fnac avec les deux, le Scar et puis. Merde, j'en peux plus, je sais plus, c'est pas. Bon, bref, vous savez, celle qui est en gros en gris avec les deux figurines. Des protagonistes principaux dessus, je suis pas fan, donc j'ai préféré prendre celle-ci et du coup j'ai pécho le 4K que j'ai mis dedans et du coup le 4K vaut vraiment le coup hein. Très belle qualité. Puis le steelbook il est vraiment joli quoi, magnifique 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 avec l'embossage du petit titre et tout, non, franchement magnifique. Ensuite on a la Belle et la Bête. Voilà, donc c'est la version avec Emma Watson. Pareil, surpris hein, par ce film parce que je m'attendais pas à grand chose. Et j'ai regardé avec ma femme. Et puis pour le coup, très bon film. Un très bon film pour La Belle et la Bête, quoi. Je trouve que c'était une belle, comment dire, production par rapport à l'autre où c'est, je sais plus. Avec Vincent Cassel, j'étais moins fan quoi. Wall-E, Eve, j'adore ce film. J'adore, j'adore. Ouais, j'ai la figurine, j'ai tout. Je suis fan de ce film. Vraiment. Un monstre de chez Pixar. Que dire de celui-ci? Alors celui-là, il commence. On chiale dès le début, quoi. Parce que le petit résumé de la vie du petit papy, elle est triste. Il est triste le petit résumé. Mais après, voilà, c'est un superbe film avec une belle aventure, une belle histoire. Enfin, franchement, j'ai adoré. Turbo. Donc, j'ai laissé lenticulaire 3D. Là. Bon, je suis pas trop fan de ce genre de lenticulaire. En plus, il est mal positionné. Enfin, bref, on s'en fout. On verra ça une autre fois. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Moi, j'ai trouvé ça fun. Je trouve ça fun, je trouve ça rigolo. Puis côté de mettre des escargots qui vont à fond les gamelles, je trouvais ça sympa quoi. Moi j'ai bien aimé. Alors celui-là, j'ai découvert ce film quand j'étais en Thaïlande, dans l'avion, j'ai regardé ça. J'ai rigolé quoi. J'ai trouvé ça vraiment mignon. Ma femme elle a regardé, je la voyais rigoler à côté de moi, j'ai dit qu'est-ce que tu. Puis du coup j'ai lancé le film aussi. C'est vraiment sympa de chez sympa quoi. Je sais plus combien il est l'artwork interne. Ils font chier avec ça.
Ah, ça, c'est quand ils sont à la préfecture avec le paresseux. C'est mythique aussi. Ensuite, on a le livre de la jungle. Pareil que j'ai chopé pour un solde à la Fnac. À 7,50. Voilà, à ce prix-là, faut pas se priver. Hein. Un classique Disney. Hein. Très sympa. Ensuite, les mignons. Ouais, j'aime bien le côté un peu délire. On passe un bon moment. Après, voilà, c'est pas le film de l'année. Mais... Enfin, le film d'animation, quoi. Mais franchement, ça va. C'est bon délire. Ensuite, on a donc Benjamin Gates 1. Donc National Treasure en version originale. Voilà. Là, normalement, j'ai commandé la version française qui devrait arriver d'ici un jour ou deux, normalement. Et là, j'ai déjà la version française sur le 2. Bon, ils sont pas foulés, hein, y a un léger débossage, du coup, en bossage sur le titre ici, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Voilà, on va mettre la cage. Et donc là, j'ai la version française hein, sur celui-là, pas de problème. Et ceux-là, pareil, hein, ils sont compliqués à trouver. Enfin, à bon prix. Ici, c'est le dernier, un des derniers Disney, je crois, hein, en avant. Moi, j'ai toujours pas vu. Pareil, j'ai pris, il est à bon prix. Dernier Disney Pixar. En avant, bah, à voir. À voir, à voir. Donc là, je vais prendre dans l'ordre. Hop. La Reine des Neiges. Bon. Qui c'est qui a entendu parler de ce film? Il est dans une grotte, le mec. Donc, bah voilà. Sans surprise, hein, ma fille, elle est bien. Oh, je suis pas fan. Je trouve que ça chante de trop. Bon, après, c'est un Disney, hein, ça chante souvent, mais pour le coup, là, ça chante beaucoup, beaucoup. Quand je vois tout le tintron qu'ils ont fait là-dessus, j'ai préféré largement Coco, quoi. La Reine des Neiges 2. Voilà. Donc là, ils ont mis enfin un titre sur la tranche, mais alors que sur un, non. Va comprendre, Charles, va comprendre. Hop. Comme des bêtes. J'ai adoré ce film. J'ai adoré. Je trouve que tous les personnages là-dedans sont délirants, quoi. Les petits toutous. Les petits toutous. Le lapin, il est juste dingo. Il me fait délirer. Code des bêtes 2, bon, un peu moins fun, mais il se laisse regarder quand même. Il se laisse regarder quand même. Voilà. Après, quand on aime les animaux, c'est bon délire. Et voilà donc le Cars 2, qui était pas avec les autres. Hein. Et celui-là, pareil, hein. Il est joli. Il est un peu comme dans les Indestructibles, avec le cadre comme ça. Là. Et là, on a un bel embossage sur les véhicules, sur le 2. Et là, sur le titre Cars. Voilà. Donc, comme les Indestructibles, il est complet. Il y a What Me Disc à l'intérieur. Et puis, l'artwork, ma soeur et mon beauf avaient mis ça en wallpaper dans la chambre des enfants. Donc, autant vous dire que ça me parle. Voilà, avec le titre sur la tranche. Écoutez, pour cette vidéo, c'est terminé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!